quand j'avais acheté la voiture, j'ai vu le en bas des petites étoiles et marqué plus que pro quoi. Et là j'ai connu la nouveauté quoi. Puis consulter les derniers avis des clients, vous voulez dire? Oui, c'est ce que j'ai fait, je me suis basé là-dessus pour pouvoir, parce que je connaissais pas du tout le garage en fait. Par le biais de, moi c'est, je regarde les avis, en fonction des avis, voilà, c'est comme ça que je fais toujours. D'accord, donc si je comprends bien, les avis clients ont été déterminants dans votre prise de décision de vous adresser à l'entreprise, c'est bien ça? Oui, en effet, et ensuite seulement j'ai demandé un devis. Oui, je fais toujours ça pour tout de toute façon. Je regarde d'abord les avis des gens et après je choisis. C'est-à-dire, j'ai consulté le plus que pro finalement, et puis on a été convaincus hein, pour la. Est-ce que vous-même, vous aviez pu consulter les avis clients de la société avant de faire appel à eux? Oui, c'est ce qui nous a fait les choisir. Ça nous aide clairement à signer des affaires. Donc aujourd'hui, après 4 mois, on a, c'est difficile à quantifier parce qu'on n'a pas vraiment passé de temps là-dessus, mais on a une bonne dizaine de clients qui ont été influencés par Plus que Pro. Pour nous, depuis un an et demi qu'on est chez Plus que Pro, on a déjà eu quelques prospects. On a signé une très belle affaire au bout de 8 mois pour un chiffre d'affaires de 165-166 000 euros. Donc pour nous, le retour d'investissement, il était déjà là. En un an, j'ai réussi à rentabiliser bien plus que le prix que j'ai donné à Plus que Pro. Oui, non, mais ça c'est évident. C'est évident et c'est pas en 4 ans, en 5 ans, c'est davantage. La rentabilité de Plus que Pro par rapport à l'utilisation que je peux en avoir, elle est indéniable hein, de toute manière. Vu le nombre de retours que j'ai de mes clients, ça fait que quand j'engendrais du chiffre d'affaires pour l'entreprise, et en plus une bonne réputation pour l'ensemble. On s'est rendu compte qu'on a vendu avec l'adhésion au réseau Plus que Pro 3 maisons. Donc le retour d'investissement, il est pour moi plus rapide que ce que je l'espérais. Donc il est certain que d'ores et déjà, de par mon expérience par rapport à mes clients, les quelques dossiers que j'ai pu gagner sur la concurrence grâce à ces avis-là, comme ont dit mes clients, ça me paraît évident que déjà l'investissement de base est déjà à aujourd'hui largement compensé. Plus que Pro nous a vraiment rapporté des chantiers d'une grande valeur, hein, c'est vrai, et ça nous a vraiment permis de remplir l'année 2018. On a décidé de re-signer le fameux contrat sur 4 ans. Vu le nombre de personnes qui se connectaient par jour sur le site internet, les personnes qui se basaient quand même énormément sur les avis clients, sans aucun doute, j'ai dû re-signer le contrat. Alors j'ai renouvelé le contrat avec Plus que Pro parce que j'étais satisfait de ce que ça pouvait m'emmener. Donc à partir du moment où on est satisfait, ben on renouvelle. Pourquoi un renouvellement de Plus que Pro? C'est simple, on ne change pas quelque chose qui marche. Garder Plus que Pro comme partenaire, c'est très important pour moi, pour toute la société. J'ai re-signé pour 4 ans, donc avec plaisir. Plus que Pro fournit un accompagnement de qualité et donc les 4 prochaines années, je ne me fais pas trop d'inquiétude quant à la pérennité de la solution. Honnêtement,
Je pense qu'on signera pour un troisième mandat dans 4 ans parce que je suis vraiment persuadée que c'est très important en plus d'avoir de l'ancienneté au niveau du réseau Plus que Pro. Plus on a d'ancienneté, plus on a d'avis. Je pense que ça rassure énormément les clients ou les prospects.